Eh bien, salut à tous, c'est Mascas. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien aujourd'hui. Petite vidéo en mode élimination par équipe sur la map Machouilleville. Nous allons être du côté des zombies et je sais pas trop quel personnage je vais prendre. Alors, soit un fantassin, soit un ingénieur, je sais pas trop en fait. Allez, on va prendre le général Supremo. Alors, le général Supremo. C'est un peu comme le fantassin de base, sauf qu'il fait moins de dégâts et il n'a pas de chargeur. Donc un peu à la manière d'un sportif, il n'a pas de chargeur, donc du coup, on peut tirer à volonté, à part que son arme peut surchauffer, comme le sportif, tout bêtement. Bon bah je vais mourir, mais... Bon, petite triplette. Allez. Alors oui, il me semble hein, qu'il fait moins de dégâts que le fantassin. Et du coup, il n'a pas de chargeur. Donc c'est assez intéressant. Ça nous évite de tomber en panne de munitions. Alors, il y en a deux là. Par contre, j'ai plus de bombes roquettes. Voilà. Je l'ai tué avec le nuage puant. Alors, le petit toxicopois. Ils sont même deux. Voilà, ça c'est fait. Bon bah, ça commence plutôt bien. Lui il a pris cher. Alors, le général Supremo, c'est un personnage que je prends pas souvent. Pourtant, bah, il est pas si mal que ça. Bon certes il tape pas fort mais il a l'avantage d'avoir un chargeur illimité je dirais. Alors, il y en a deux qui sont là-bas. Boum. Voilà, ça c'est fait. Petite série de 5. Oh, 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 oh. Et je l'ai tué quand même. Et c'est la fleur extraterrestre qui fait pas mal de dégâts. Hein. Comparé aux autres tournesols, il fait beaucoup de dégâts. Par contre, il tire pas en rafale. Il tire en coup par coup. Alors là, il y a un toxicopois. Ouais, on est au complet. Hop, toi t'es mort. Voilà. Alors il y en a un autre là qui va le sauver. Ah ouais, le problème c'est qu'ils sont tous en haut donc. Ah, je l'ai entendu. Je l'ai entendu, j'ai pas eu le temps de prendre mon bon de roquette. J'allais appuyer sur la touche en plus. Mais j'aimerais bien aller juste derrière eux là. Le problème c'est que j'ai un personnage qui tape pas assez fort. Faudrait que ce soit un électricien ou... Alors, on va monter là-dessus. On va se mettre en hauteur. Toi t'as plus guère de vie. Voilà. 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 Ça c'est impeccable. Attends, toi je te sauve. Alors là, la triplette que j'ai fait. Non, à côté. Le problème, c'est que il me semble qu'il y a un tournesol pas loin, donc il régénère tous ses potes. Donc, bah, les kills qu'on fait, ils servent à rien. J'avais pas vu le Firepeter, je l'ai entendu, mais je l'ai pas vu. Personne pour me sauver? Non.
Alors 35 à 39. On est en train de perdre. Bon bah. Le problème c'est qu'il faut vraiment tuer les tournesols parce que c'est eux qui soignent les plantes. Par contre il y a un mordeur, je l'entends. Ça c'est dégueulasse. Ça devrait pas exister le truc comme ça là, le mordeur qui bouffe les ennemis en plein dans le vide, c'est pas terrible. Et on a perdu, on s'est fait démonter. Pourtant, je pense avoir bien joué, mais... Ouais, 15 kills. Bah dommage, on va peut-être enchaîner sur une autre partie. Si je peux changer de côté, je reprendrai le Général Supremo. Après, bon, comme les équipes sont au complet, ça risquera de ne pas être possible. À moins que ça quitte entre temps. Ouais. Bon, normalement ça devrait le faire. Faudrait qu'on soit un de plus pour que je puisse changer. Les stats, un ratio de 3, j'ai fait une série de 5. Donc ex aequo avec Diego machin là. Équipier régénéré un seul. Coup critique 152. On va enchaîner directement sur une autre partie et on va essayer de changer, mais là ça c'est pas sûr qu'on puisse changer. Dans ces cas là je prendrai soit un perso que j'ai déjà pris, soit un nouveau perso. Ah, je suis déçu, j'ai fait une bonne partie mais mes collègues n'ont pas suivi. Alors, est-ce qu'on peut changer? Oui, parfait. On va reprendre le Général Supremo. On va essayer de faire le premier kill. Tant qu'à faire. À côté. Image-les. Ah, c'est le premier kill, mais pour lui. Merci, bonhomme. Ah ouais, le lancer de diablotin, c'était pas mal. Oh, je l'ai tué quand même, mais... Du coup, je suis mort en même temps. Allez, on va repartir. Non. Oh non. Bon bah c'est moche. Ah, le Général Supremo est vraiment bien, mais il fait pas assez de dégâts. Ça, c'est un peu le défaut du personnage. Alors, je pense que les zombies sont quand même meilleurs que les plantes. Tout à l'heure, j'étais plante, on a perdu, mais... Enfin, j'étais zombie, mais comme j'ai changé d'équipe, du coup, ceux qui ont gagné tout à l'heure, ils se retrouvent dans mon équipe. Bon, bah aujourd'hui, ça veut pas. Alors, où sont-ils?
Voilà, il est pas volé celui-là. Assistance, bon bah c'est dommage. Bon bah j'ai chaud, hein. Bon bah. Ah mais y a combien de tournesols? Il y en a un là-bas. J'en ai tué un et c'est encore un tournesol qui m'a tué. Alors, je me suis fait tuer au moins 4-5 fois. Et ils ont seulement 14 points. Donc ça veut dire que je suis en train de faire perdre mon équipe, entre guillemets, malgré qu'on gagne, mais... Oh, il y a du monde là. Oh, il y a du monde. Non, il est mort lui. Oh là là, mais qu'est-ce que je joue mal. Bon, bah une assistance. Toi, je vais te sauver. Ça va alors enlever un point. Le scientifique fait pas son boulot. Ah mais non. Ah il s'acharne sur moi là, c'est abusé quoi. Allez, il nous reste 3 points. Oh non. Non. Ça aurait pu être beau. Oh la vache. Je suis mauvais. J'ai fait que 4 kills. Oh la honte. Ah, ratio de 0,67. Non, c'est pas bon du tout. Mais c'est pas grave, ça fait pas de mal des fois de se prendre une bonne claque. Ma première partie était nettement supérieure à celle-là, donc j'aurais dû couper la vidéo en deux. Bon, en tout cas, ça fait rien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le petit j'aime, le commentaire, abonnez-vous si vous voulez, ça me ferait tellement plaisir. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, salut!